Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui à l'atelier, c'est Audi sur laquelle j'ai fait un covering il y a 1 an et demi. Donc covering camouflage géométrique, voilà, sur le côté, sur ce côté. Et sur l'autre côté, covering complet noir satin. Donc sur toute la longueur du véhicule, avec une coupe franche aux 2 tiers du véhicule. Ce qui se passe, c'est que depuis 1 an et demi, la voiture a eu un petit souci au niveau carrosserie. Donc, ils ont dû déposer le covering de la portière, entre autres. Celui du bouclier arrière, je vais vous montrer ça. Et du coup, la propriétaire me demande si on ne peut pas changer un peu la déco. Et son idée, ce serait simplement de tomber tout le covering noir satin et de garder la coupe franche aux 2 tiers avec un ajout d'une couleur qui serait un bleu. Bleu métallisé afin de trancher un peu. Donc voilà le travail que j'ai à réaliser ces jours-ci. Et je vais faire un petit tour quand même parce que ça fait 1 an et demi. Donc voilà, on s'aperçoit que ça tient plutôt bien. Voilà, après sur le toit, là. Petite déco, tac. Donc comme je vous le disais, le bouclier, lui, il a été repeint. Donc plus de covering noir satin. Il va falloir que je fasse la déco, que je fasse continuer les éléments déco qui étaient à cheval sur le bouclier et sur l'aile ou sur le coffre. Et puis sinon, voilà, un joli blanc diamant. Noir brillant. Et puis des petites touches de gris aluminium. Et donc l'idée est de rajouter du bleu, par exemple, à cet endroit-ci, un peu à l'opposé des éléments qui sont en gris alu, et de changer la ligne qui sépare le satin de la déco camouflage, et de la remplacer donc par du bleu également. Je vous referai une petite vidéo une fois que le travail sera terminé. En attendant, passez une bonne fin de journée. À bientôt pour de nouveaux projets. Ciao!